Parfait. Alors, je lance le bal. Je vous remercie chacune et chacun de vous joindre à nous pour cette séance d'information au sujet de l'inventaire national des rejets de polluants. On a la chance d'avoir avec nous des gens qui connaissent mieux cette plateforme que quiconque. En fait, ce sont des fonctionnaires chez Environnement et Changement climatique Canada qui vont nous accompagner là, pour faire cette présentation-là. D'abord, je dois vous informer que cette séance d'information est enregistrée. Elle sera disponible en ligne, de même que la présentation PowerPoint. Et voilà, ben écoutez, sans plus tarder, je vous partage mon écran avec la présentation PowerPoint. Je vous mentionne que vous pouvez à tout moment poser des questions dans la conversation, dans le chat. Ou par question dans la section questions-réponses. Et ça nous fera plaisir d'y répondre. Je crois qu'il y a aussi la fonction de pouvoir lever la main, poser des questions. Si ce n'est pas le cas, on pourra vous le permettre, là. Alors, sans plus tarder, je vous partage mon écran. L'idée de cette séance d'information-là, est vraiment de fournir de l'information aux gens qui sont intéressés à savoir comment utiliser l'inventaire national des rejets de polluants avec une attention plus particulière au sujet de la fonderie Orne. Je laisserai nos amis là, de l'INRP présenter le plus en détail la plateforme, mais pour le moment, je peux vous dire là, que cet atelier est une a été conçu de manière conjointe entre Mining Watch Canada et le gouvernement fédéral. Donc, la présentation va se dérouler comme suit. On va commencer d'abord avec des brèves présentations là, de nos organismes et ensuite, je cède la parole à nos amis de l'Inventaire national des rejets de polluants qui sont en charge de cette plateforme, de l'alimenter et qui vont nous accompagner, nous présenter quelles sont les données qu'on y retrouve, comment les utiliser. Et suite à cette présentation générale, on va regarder plus attentivement, on va porter notre attention plus particulièrement sur l'établissement industriel qu'est la fonderie Orne. Donc, ça va nous servir d'étude de cas, là, de cas d'espèce. Et on vous présentera aussi d'autres sources de manière générale là, pour obtenir des informations concernant les émissions de tout genre là, par des établissements industriels. Et ça va faire suite à, mais on va suivre ceci par une période de questions. Mais comme je l'ai indiqué là, on vous invite à poser vos questions au fur et à mesure dans l'espace de discussion. On a recueilli quelques questions, une banque de questions déjà à l'avance par les envois, des invitations à cette séance-ci. Donc, si vous êtes gêné, ben moi j'ai des questions en masse à poser à nos amis. Donc, sans plus tarder, puis juste pour vous rassurer, là, la séance d'information ne dépassera pas 13 heures. C'est vraiment une courte séance gratuite sur l'heure du dîner. Donc, Mining Watch Canada, l'organisme que je représente, c'est un organisme à but non lucratif qui est indépendant tant des gouvernements que de l'industrie minière. On travaille depuis 25 ans maintenant à soutenir les populations qui sont affectées par les impacts des activités minières canadiennes, que ce soit ici au pays ou à l'étranger. On a participé à plusieurs enquêtes, soumis quelques centaines déjà de rapports et participer à plusieurs recours juridiques pour défendre les droits des citoyens et de l'environnement. Et voilà, là, sur divers sujets, on collabore tout de même là, avec les fonctionnaires des différents gouvernements pour rejoindre là, notre, ben, en fait, atteindre notre mission qui est de fournir des informations aux personnes qui sont directement touchées par les impacts des activités minières. Sur ce, ben, je vous cède la parole, Sarah et Émile, mais il y a bien d'autres de vos collègues qui sont ici aujourd'hui, donc à vous la parole. Oui. Bonjour. Aujourd'hui, on a un paquet de monde de l'INRP en ligne. On peut répondre à vos questions sur
divers sujets. Alors, moi, je suis Sarah Bennett, je suis ingénieure de programme responsable du tableau de bord en ligne et j'ai mes collègues Émile Boudreau qui s'occupe de la base de données, qui va vous donner un survol du recherche en ligne. J'ai aussi mes collègues Vanessa et Tristan qui sont agent de programme de l'INRP. Vanessa s'occupe plutôt des activités de promotion de la conformité et Tristan sur les projets tels des cartes en ligne et des produits de données. Et on a aussi sur l'appel, je vois des noms en plus que ça, mais on a Anne, Lisa et Adriana de mon équipe. Et aussi, je vois qu'on a Paolo et Simon qui sont des gestionnaires de notre projet. Alors, si vous avez des questions qu'on ne peut pas répondre, on a plein de monde. J'espère qu'ils peuvent vous répondre aussi. Alors, si on avance à la prochaine. Ça, c'est juste un petit peu un intro sur l'INRP. C'est l'inventaire public des polluants rejetés, éliminés et transférés. On a plein de produits de données sur notre site web. Ça, c'est un exemple qui vient de l'équipe de Tristan. C'est une carte avec les données de 2022, je crois. Et ça, c'est le lien au site web. Alors, next. Ceci, c'est qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui un peu à propos de l'INRP, à quoi ça sert, comment, et après ça, on va aller dans les détails de comment s'en servir. Et en faisant cela, on va démontrer les données disponibles sur la fonderie Horn. Et prochain, à propos de l'INRP, c'était créé. On a maintenant 30 ans de données dans l'INRP. Et on a maintenant 320 substances et ça couvre les rejets, les éliminations et les transferts. Alors, ça couvre pas juste les rejets qui viennent de l'installation qui va dans l'environnement directement au site de l'installation, ça couvre aussi les transferts qui sont envoyés aux autres installations pour le traitement, pour le recyclage, pour la récupération de l'énergie. Alors, quand on va entrer dans les données, on va vous montrer un peu les différents types. Prochain. Il y a plus de 7 000 installations qui présentent les déclarations à l'INRP. Alors, c'est une grosse base de données. C'est la fonderie Horn, c'est juste une toute petite partie. Ça couvre des installations de divers secteurs industriels, notamment les mines, les scieries et les installations pétrolières et gazières, aussi comme les usines de traitement. On voit, si on regarde des installations de la région de Rouen, on voit aussi l'usine de traitement d'eau usée. On a aussi les données sur ça dans notre inventaire. Et c'est plutôt des grandes industries qui sont ciblées dans l'INRP. Alors, prochain. À quoi ça sert? Ça sert à permettre les gens de rechercher les informations détaillées sur les rejets des polluants dans l'air, l'eau et le sol. Les installations fournissent les données. Les données sont sur une quantité annuelle. Alors, c'est ça le niveau de détail qu'on a. On a aussi les informations sur l'installation elle-même, un peu les détails sur son emplacement, sa grandeur, le secteur, les substances qu'elle traite. Aussi les informations sur la prévention de la pollution pour chaque installation. Next. Voici une liste des types de données qu'on a sur les rejets et les transferts. On voit qu'on a les rejets dans l'air, dans l'eau et dans le sol. Et sous ça, ils sont divisés dans des catégories telles des rejets qui viennent des chimies au lieu des émissions fugitives, d'autres types de rejets. Pour les rejets dans l'eau, on a des déversements, des fuites, des évacuations directes. On a tous ces détails. Aussi pour les transferts hors site, on a les informations sur de quel type de récupération ou de transfert il s'agit et aussi où il va.
Alors, s'il y a une installation, un transfert qui va à un autre lieu ou pays, il faut qu'il fournisse l'adresse où il envoie la substance. All right, next. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans l'INRP? C'est des informations sur les sources naturelles. Les sources diverses que l'agriculture, c'est plutôt un inventaire industriel. Et les informations, c'est juste sur juste sur les installations qui répondent aux critères de déclaration. On a aussi, il y a des substances qui ne sont pas couvertes dans l'INRP, celles qui sont suivies par les autres inventaires, comme les gaz à effet de serre, et des substances qui ne sont pas admissibles à notre liste. On a notre guide de déclaration a des détails sur ce qui est à déclarer ou non. Et aussi, on a sur notre site web des critères auxquels les substances devraient répondre avant qu'on fera un ajout à l'INRP. Alors, next. OK. L'étude sur la fonderie Horn, on a les données disponibles sur l'installation elle-même, aussi des quantités de rejets et transferts au fil des ans, quantité totale par année par voie de rejet. Et on a aussi pour chaque quantité des détails tels la méthode d'estimation, les commentaires, les raisons pour changement des quantités déclarées et l'information sur la prévention de pollution. Et là, je pense que ça sera ouais, on a aussi un peu, c'est un peu en répétition de ce qui est manquant. Alors, je pense que ça serait une bonne place pour aller un peu dans le démo. Émile peut nous montrer les données et montrer les détails. Merci, Sarah. Avant de commencer, je vais juste confirmer, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, parfait. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Émile Boudreau. Je suis administrateur de la base de données de l'inventaire de INRP. Je vais commencer en disant que on collecte toutes nos données. Ça fait depuis 1993 qu'on collecte les données. Alors, on a 30 ans de données pour notre inventaire. Puis, à chaque année, on publie les données dans divers types et formats pour différentes raisons, différents types d'utilisateurs, différentes questions à répondre. Alors, on va vous en présenter deux types, le site de recherche puis le tableau de bord. Mais aussi, sachez qu'il y a des données sur le portail du gouvernement ouvert en différents formats. Il y a des fichiers Excel, il y a des fichiers CSV, il y a la base de données au complet de l'inventaire. Si vous avez des connaissances en base de données, alors chaque jeu de données qu'on publie a pour but un objectif très spécifique de comment garder vos données et comment arriver à répondre à la question que vous avez. Alors, avec ça, je vais vous présenter notre recherche en ligne d'inventaire, la page d'accueil donne un peu d'informations, puis là, ça rentre dans les critères de recherche. De base, on a appris que les utilisateurs recherchent par année et par nom d'installation, nom de l'entreprise ou numéro identifiant de l'INRP. Alors, puisque on est curieux pour la fonderie Horn, on fait la recherche. C'est un démo, n'importe quoi qui peut aller mal va aller mal. Je vais mentionner ça. Alors là, j'ai fait une recherche pour le numéro identifiant pour 2022. Si vraiment que vous êtes intéressé à faire une recherche plus pointillée, à, mettons, l'échelle du Canada, la recherche avancée vous permet de faire une recherche par substance, par catégorie, par province, etc. Ça vous donne beaucoup d'options si vous savez si vous avez quelque chose de précis à aller voir.
Alors, le résultat, c'est la fonte des mornes. Je l'ai sauvé sur un différent onglet pour me sauver des problèmes. Alors, on commence avec le rapport de 2022. Ça, les informations de l'entreprise, de l'installation, etc. Vous pouvez télécharger les données en format PDF ou en HTML au cas où vous voulez les sauver pour faire référence plus tard. Puis là, toutes les informations sont présentées dans le tableau en bas avec des différents onglets. Alors, le premier tableau, c'est toutes les informations que l'entreprise nous a fournies pour cette installation-là. Je ne vais pas passer à travers de tout, mais c'est tout au niveau de l'installation, comment l'identifier et des informations de surplus. Le deuxième onglet, c'est l'onglet de substances. Alors ici, c'est la liste de substances que l'installation a rapportées pour l'année en question, l'année de 2022. Alors, c'est plus détaillé quand les données sont fournies. Puis après le tableau des données, il y a le tableau de commentaires. Alors, l'installation est capable de nous fournir des commentaires par rapport aux données qu'ils nous ont fournies. Puis sur celui-là, c'est tout. Puis là, ça c'est comme un sommaire de tout à un semi-niveau plus haut. Puis là, on divise les informations que l'installation nous a fournies en rejet, élimination et transfert, s'il y a une unité de production d'électricité. Puis là, il y a la section de toutes les autres années. C'est toutes les données de tous les ans que l'installation nous a fournies. Alors, dans l'onglet de rejet à l'air, c'est les substances qui sont émises à l'air avec leur quantité. Là, il y a la section de rejet à l'eau et rejet au sol. Pour cet exemple, il n'y a aucune donnée rapportée. Puis, on a aussi une catégorie de si l'installation sait qu'ils l'ont rapporté, qu'ils ont émis des émissions, mais ils ne savent pas exactement où et comment. Et c'est moins qu'une tonne, ils peuvent nous le rapporter dans les rejets non différenciés. Puis là, l'onglet d'élimination, c'est la même chose, élimination sur place, élimination hors place, traitement, etc. Dans le cas de la fonderie Horn, ils n'ont pas d'unité de production d'électricité. Puis dans l'onglet de toute année, c'est toutes les années. Toutes les substances et un sommaire à semi-haut niveau des émissions qu'ils nous ont fournies. Une substance ici à haut niveau, on va dire l'arsenic, ça nous donne des informations ils nous ont rapporté 15 000 tonnes à l'air, à l'eau, ça nous donne un total et l'élimination sur place. Si on appuie sur la substance arsenic, ça nous donne plus d'informations par rapport à cette substance-là. Ça nous dit si le rapport de substance est déclaré parce qu'il rencontre les exigences ou si il nous la rapporte de façon volontaire. Alors, le rejet d'air est en premier, les rejets d'eau. Alors, dans cet exemple, en 2022, ils nous ont rapporté 102 kg de rejet à l'eau. Puis, c'est aussi divisé par quel est le plan d'eau qui est récepteur. D'autres informations de surplus par rapport au rejet de la substance en question. Je pense que c'est tout pour la recherche en ligne. Merci. De rien. Merci, Émile. Alors, on va continuer la présentation. Oui, mais aussi,
Je vais faire un petit démo sur le tableau de bord, je crois. Un instant. J'essaie de me trouver. Est-ce que tu voulais partager ton écran, Sarah? Oui, s'il vous plaît. OK, je vais arrêter de partager. Voilà. OK. Je vais partager ça. Si on voit bien mon écran. Oui. Oui, OK. All right, je vais faire juste un petit démo du tableau de bord. Il y a surtout les mêmes données que sur la recherche en ligne. C'est juste un format un peu plus visuel. Alors, si le monde aime plus voir des graphiques, voir des tendances, c'est un outil que tu peux utiliser pour voir les données de l'INRP d'une autre façon. Alors, on a divers moyen de regarder les données. On a les données un an par an. Ici, on a les tendances par lieu, par secteur, par substance. On a aussi des données sur la prévention de la pollution, mais je vais aller aux recherches de données au niveau de l'installation pour faire la démonstration de comment voir les données de la fonderie Horn. Alors, on fait une recherche. On voit la liste d'installations qui contient le mot Horn. Et aussi, on peut voir en dessous, il y a des onglets qu'on peut afficher les données. On a, comme Émile a démontré, on a les informations sur l'installation elle-même, un peu sur son industrie, son code industriel, un lien pour aller voir les données sur la recherche en ligne. Si on voit l'emplacement de l'installation, les cheminées et un peu un survol du rapport 2022, la liste de substances, la catégorie de rejet et les quantités de substances rejetées. Ça, c'est juste un an à la fois. Tu peux changer pour voir les autres années si vous voulez. Et juste une note, on a juste 10 ans de données dans le tableau de bord parce que c'est une limite de la grandeur du fichier. Alors, c'est juste les données des 10 dernières années. Si vous voulez des données plus anciennes, sont toutes sur le site web, sur la recherche en ligne. Et ici, on peut aller voir les données des substances de la partie 1 à 4. C'est des substances telles que les contaminants atmosphériques, des métaux et tout cela. On voit un sommaire des données des rejets dans l'air et les éliminations sur le site. On voit au fil des ans des changements dans les quantités. Et aussi, on peut voir un sommaire des données par substance. Alors, on voit substance par substance les quantités. Si vous êtes intéressé seulement dans les substances d'une partie ou une substance à la fois, ou bien juste des rejets dans l'air, on peut choisir d'afficher seulement les rejets dans l'air. On voit la plupart, c'est la dioxyde du soufre. Si vous voulez voir peut-être juste les métaux. On peut choisir les substances d'une partie de la liste de substances de l'INRP et on voit les substances qui sont rejetées dans l'air. S'il y a une substance qui vous intéresse en particulier, tu peux le sélectionner. On va faire arsenic. On va afficher les détails de la substance et on voit les détails comme Émile a montré sur la recherche en ligne, mais il y a aussi une graphique pour montrer la tendance au cours des années. On voit la plupart, c'est éliminé sur le site dans la gestion des résidus miniers. Il y a une partie qui est rejetée dans l'air et il y a aussi un petit parti de rejet dans l'eau. On voit les données. Les mêmes informations qu'Émile a montrées, il y a les commentaires, des informations sur la méthode d'estimation et aussi les commentaires.
On a les raisons pour le changement dans les quantités et aussi un peu de la nature des activités liées à cette substance. Pour la fonderie Horns, je crois que c'est la majorité de leurs données. Ils n'ont pas des données là, sous les autres onglets. Alors, pour le tableau de bord, pour ce qui est de Horns, c'est ça la grande partie. Alors, j'ai arrêté de partager. Merci beaucoup, Sarah. C'était très éclairant, ces graphiques-là. Personnellement, je savais pas qu'on pouvait avoir ce niveau de détail-là. Je continue de partager mon écran. On était rendu ici tout à l'heure. Je sais pas si vous vouliez que je change de diapositive. Ah, oui, s'il vous plaît, je pense la prochaine, je ne sais pas. C'est plutôt le reste de la présentation, c'est plutôt ce qu'on a déjà présenté Ouais. dans les démos. C'est Alors, vrai. oui, c'est des informations sur qu'est-ce que vous pouvez trouver en ligne, dans quels produits. Comme Mémie a dit, il y a plein de produits donnés sur notre site web. Alors, si un produit donné n'a pas les informations que vous cherchez, ça se peut que c'est. Il y a les données dans un autre format. Si jamais ne trouvez pas ce que vous voulez ou bien tu sais que c'est là et tu ne le trouves pas, vous pouvez nous contacter par courriel et on peut vous aider à trouver les données, la bonne outil pour faire votre recherche. Merci beaucoup, Sarah. Donc, je pense qu'on est déjà rendu à cette diapositive pour parler des autres ressources qui existent. Je peux peut-être vous laisser parler des autres inventaires et programmes au niveau fédéral. Je compléterai pour ce qu'on connaît là, au niveau plus provincial dans la région. Je fais un petit mot aussi sur les autres organismes citoyens. Donc, si vous vouliez nous parler des autres inventaires fédéraux, Sarah. Oui, certainement. Ça, les inventaires qu'on a sur la liste ici, il y a des inventaires qui sont comme au même niveau que l'INRP, comme le programme de déclaration d'émissions de gaz à effet de serre, mais on a aussi des programmes comme l'inventaire d'émissions de polluants atmosphériques qui prend les données de l'INRP et qui les met en contexte au niveau national, qui ajoute les sources supplémentaires. Comme on avait dit, il n'y a pas des sources diffuses, des sources naturelles, des sources agriculturelles dans l'INRP. Alors, cet inventaire va ajouter ces sources et faire un compte rendu pour le pays au complet, comme l'inventaire d'émissions de carbone noir, le gaz et pour le gaz à effet de serre. Je pense que, ouais. Merci, merci Sarah, c'est très clair. Alors, au niveau provincial, vous voyez plus à la droite de l'écran, il y a également le service InfoAir. Il y a la carte des stations et des contaminants, l'indice de la qualité de l'air. Ces outils-là permettent d'offrir certains graphiques de suivi je dirais pas en temps réel, là, mais il y a des mesures qui sont faites un peu plus fréquentes pour certains contaminants, pas tous, mais par exemple, je pense au SO2, là, le dioxyde de soufre. Et c'est des données qui sont notamment régulièrement partagées par le regroupement Vigilance Mine sur ces réseaux sociaux, mais ils sont issus de ces inventaires-là provinciaux. Sinon, ben, important de souligner là, la création récente de l'Observatoire national sur les incidences des émissions de contaminants sur la santé et l'environnement, qui est en fait, si on veut, une chaire de recherche qui a été lancée à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue récemment. Daniel Proulx en est le directeur. Au meilleur de ma connaissance, il n'y a pas d'outils là, qui sont à la disposition du public qui se comparent à ce qu'on vient de nous présenter là, au niveau fédéral ni au niveau provincial. Espérons que l'UQAT ben, s'oriente dans une approche de transfert d'informations, de publication des données le plus possible auprès de la population. Ça sera à suivre. Et sinon, ben, les organismes, comités citoyens indépendants du gouvernement, ainsi que de la ville de Rouyn-Noranda, de la Fonderie Horn, il y en a quelques-uns qui sont listés ci-dessous, il y en a d'autres, bien évidemment. Donc, on pense à Mining Watch Canada, la Coalition Québec Meilleure Mine, le regroupement Vigilance Mine,
Abitibi-Témiscamingue, qui est très actif sur les réseaux sociaux, mais qui a, ben, en fait, qui regarde, qui fait une veille là, de toutes les actualités concernant la fonderie Orne, les autres mines dans la région et de l'Abitibi-Témiscamingue, et qui est en lien finalement pour soutenir là, plusieurs initiatives citoyennes. Le comité Arrêt, qui est également, ben, qui a été créé il y a de cela déjà 5 ans, toujours actif depuis, très actif, maire au front depuis un peu plus récemment, mais non moins de manière importante, au contraire. Ce sont des groupes qui suivent de près les développements entourant la fonderie Orne. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez les rejoindre pour avoir, c'est ça, des informations sur les enjeux concernant la fonderie Orne. Sinon, ben, on est déjà rendu, ma foi, à la période de questions. On a devant nous un bon 25 minutes. C'est évident que si on ne va pas se tourner les pouces, là, s'il n'y a plus de questions, ça se pourrait qu'on finisse un peu plus tôt, mais quand même, on a tout ce temps-là à notre disposition. La parole est à vous. Vous pouvez vous manifester, que ce soit dans l'espace de questions-réponses. Juste en bas là, de votre écran, vous avez comme une espèce de menu déroulant. Il y a Q.E.R. Ben, vous cliquez là-dessus, vous pouvez poser vos questions. Mais vous pouvez aussi utiliser l'outil de discussion, là, la petite fenêtre de clavardage. Sinon, ben, levez votre main. Ma collègue Val va pouvoir vous offrir l'opportunité de poser la question à vous-même, là, d'ouvrir votre caméra, votre micro. Voilà, donc manifestez-vous si vous avez des questions. Sinon, ben, c'est ça, nous, on a une liste de questions là, qu'on avait soumises à l'avance aux gens là, de l'INRP. Moi, je vais me servir de ça pour entretenir la discussion pour les prochaines minutes. Mais déjà, je vois que Rachel Pelletier, Isabelle Ménard ont levé la main. Donc, Val, je sais pas si. Voilà, je crois que Rachel, tu peux parler maintenant. Oui, moi, ma question, c'était, dans le fond, mettons qu'on veut faire une recherche sur l'INRP pour avoir les données de, c'est ça, de polluants d'une compagnie, mais que, par exemple, ben c'est ça, est-ce que, dans le fond, il faut faire la recherche par compagnie? Puis si oui, admettons le cas où on a un site que la compagnie a repris, pas la compagnie, mais qu'il y a plusieurs compagnies qui sont passées sur le même site, puis qu'on voudrait. Puis qu'on voulait, par exemple, avoir les données là, cumulatives sur, puisque là, ça fait juste 30 ans que ça existe, mais mettons sur 30 ans, avoir l'ensemble des données de rejet de polluants de ce site-là, ben, est-ce qu'il faudrait aller voir par compagnie? Donc, ça serait ma question. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, merci pour la question. Oui et non. Alors, mettons qu'il y a une installation que vous savez qu'a changé de main par entreprise parent. Dans l'outil de recherche, vous pouvez faire la recherche pour une des compagnies parent ou le nom de l'installation même, puis cette installation-là va avoir le numéro d'identificatif propre à l'INRP. Puis, ce numéro-là est unique à l'installation sur le site géographique comme tel. Il y a des installations qui que tu peux comme casser en morceaux, déplacer, puis réinstaller en quelque part d'autre. À ce point-là, cette installation-là, nous, on la considère comme une nouvelle installation. Alors, elle reçoit un nouveau numéro identifiant. Alors, si tu trouves l'installation une fois dans son historique du 30 ans, mettons qu'elle l'a rapporté pour les 30 ans, mais elle a passé en travers de cinq différentes compagnies par an, qu'elle trouvait une instance ou une année de cette installation-là dans la recherche, soit sur l'onglet de toute année ou sur l'onglet d'installation, il y a une section que ça démontre toutes les années que cette installation-là a rapporté.
Merci mille. Est-ce que ça répondait à ta question, Rachel? Oui, merci. OK, Okay. merci. Il y a également Isabelle Ménard qui a levé la main. On a reçu d'autres questions là, dans l'espace de questions-réponses. Merci. Alors, Isabelle, là, si tu veux, à Oui. toi la parole. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. D'accord. Je voudrais savoir, lorsqu'on va sur les NRP, puis il y a des critères qui sortent, là, j'ai pas bien entendu, les critères qui sont inscrits, est-ce que c'est des critères écrits par le ministère ou c'est des critères écrits par l'entreprise? Puis je peux me permettre une autre question, comment vous faites pour vous assurer là, que c'est toujours les mêmes méthodologies qui sont utilisées pour faire des comparatifs, là? Fait que voilà. Je vais répondre la première partie, puis la deuxième partie, je vais la laisser à Sarah. Alors, les critères de recherche, ce n'est pas des critères d'exigence de rapportage, c'est des critères pour faire la recherche. Alors, c'est juste une manière pour trouver les informations que l'utilisateur est en train d'essayer de trouver. Alors, en général, on a 30 ans d'informations. Si jamais que l'utilisateur sait qu'il cherche spécifiquement les données de 2018, ben, l'utilisateur peut insérer 2018 comme un critère de recherche. Ça lui permet de raffiner les résultats pour ne pas avoir. Je pense que si tu fais une recherche pour toute année, ça donne quelque chose comme presque 200 000 rapports. Alors, c'est une manière de raffiner les résultats pour l'utilisateur. Et OK. je vais me permettre Excusez-moi, un peu de. c'est parce que, en fait, je me suis mal exprimée. Ce n'est pas les critères, mais c'est les commentaires qu'on voit qui sont écrits, qui suivent, par exemple, une donnée dans une rangée lorsqu'on fait notre recherche. C'est plutôt ça que je voulais dire, là. Est-ce que c'est le ministère qui les inscrit, ces commentaires-là, ou c'est l'entreprise? non, c'est l'entreprise elle-même. Alors, pour plusieurs champs dans le système de rapportage que les installations utilisent pour nous soumettre leurs données, on leur permet de nous fournir un commentaire pour additionner un peu de contexte à une valeur numérique. Alors, si jamais que l'installation détermine qu'il veut fournir des informations supplémentaires, on leur donne cette opportunité-là avec les commentaires. D'accord, merci. Et concernant la deuxième question d'Isabelle, je ne sais pas si tu te souviens, Sarah, là, la question c'était en fait, est-ce qu'il y a une façon de s'assurer que la méthodologie employée, je crois, pour la prise de données, c'est ce que Oui. Isabelle va me corriger, là, qu'on conserve la même méthodologie continuellement là, pour la prise de données? Ah, pour nous, on a juste l'information de quelle méthodologie ils choisissent. C'est surtout les exigences provinciaux qui vont déterminer pour les installations quelle méthode ils devront utiliser. Pour la fonderie Horn, il y a un groupe de travail avec l'industrie des fonderies et l'Environnement Canada qui travaille un peu sur ça pour avoir une base comparatif, un base sur lequel les installations vont mesurer leur rejet. Ça traite plutôt des. Je crois qu'on vient de perdre Sarah. Oh! OK, tu es de retour. Ah, OK. Je ne sais pas pourquoi. Mais Désolée. ce que tu disais, ce qu'on a capté, c'est que l'industrie ainsi que Changement climatique Canada, je crois, tente de harmoniser la prise de données concernant les fonderies. Il y a un groupe de travail sous le Environmental Performance Agreement avec l'industrie qui a pour but de comme faire un petit résumé du secteur et avoir des méthodologies un peu concrètes pour l'industrie pour leur donner. Mais ça traite pas de toutes les substances sur les NRP, mais juste un
sous-groupes de substances. D'accord, Merci. merci. Donc, Isabelle, ça répondait à ta question. Oui, S'il y a merci. d'autres, s'il y a d'autres personnes qui veulent saisir le micro, là, levez votre main. Ma collègue Valérie va vous donner la parole. D'ici là, je me permets là, rapidement de souligner là, la question qui était posée dans l'espace de questions-réponses. Est-ce que les données qui concernent la fonderie Horn en 2023 sont disponibles? Et si oui, quand est-ce qu'elles le seront? La réponse donnée par Sarah là, dans l'espace de questions-réponses, je me permets de la rappeler à voix haute pour les gens qui ne l'auraient pas vue. C'est que les données de 2023, donc de l'an passé, elles doivent être soumises avant le 3 juin 2024, donc d'ici environ un mois. Ils vont être publiés ensuite à la fin de l'année 2024. Donc finalement, ce qu'on comprend, c'est qu'on a les données un an environ après la fin de l'année. Ben, c'est ça, l'année précédente. Merci pour cette réponse. Oui, Puis Émile? moi, je vais ajouter que dans notre exercice de qualité de données pendant l'été, on publie les données qui nous ont été soumises dans ce cas, dans l'été de 2024, pour les données de 2023, début juillet sur le tableau de bord et sur la recherche en ligne. Alors, ce sont les données non vérifié, mettons, ça nous permet deux choses. Un, les installations à utiliser le site de recherche ou le tableau de bord pour vérifier est-ce que c'est réellement ces données-là que j'ai soumises. Et deux, ça permet le public général de commencer à voir c'est quoi les données qui ont été soumises. Puis comme information un peu interne, la Fonderie Horn n'a pas soumis le rapport encore pour 2023. Merci, Émile. Très clair. Il y avait une autre question qui était posée qui nous a été envoyée là, directement. Je vais la poser, mais avant, une autre question avait été posée dans l'espace questions-réponses. Et je vous invite juste là, les gens de l'INRP à réfléchir à la question qui a été posée, qui nous a été adressée directement. On y reviendra plus tard. La question étant, est-ce que l'INRP offre des services de production de rapports? Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Je reviens maintenant à la question posée par Mme Claire, qui demande là, si les données fournies par les industriels font l'objet de validation et est-ce que les outils de mesure sont validés? Donc, la réponse de Mme Vanessa Gagnon-Chantereau de l'INRP, c'est que l'inventaire national ne fait pas d'inspection des instruments de mesure. Cependant, avant la publication des données en ligne, l'équipe de l'INRP, comme Émile vient de nous le souligner, là, fait des contrôles de qualité des déclarations qui ont été soumises par les installations, donc les entreprises, afin de déceler s'il n'y aurait pas des inexactitudes ou des erreurs dans les déclarations. Puis s'il y a des erreurs qui sont constatées, l'INRP peut contacter ou à ce moment visiter les installations pour vérifier ou corriger les données. Et donc, ce n'est pas une inspection des instruments de mesure, c'est plutôt des données. En mettant en œuvre le processus de contrôle de la qualité des données chaque année, l'INRP garantit que les renseignements de haute qualité sont mis à la disposition des utilisateurs. Le cadre de gestion de la qualité des données de l'INRP garantit donc des données de haute qualité qui répondent aux besoins des utilisateurs. Et de cette façon, on définit la qualité des données en fonction de sept éléments. Et tout ça, ben, ça peut être disponible, là, les définitions sur le site de l'INRP. On peut passer maintenant à la question qui avait été posée, là, qui nous avait été adressée directement. Est-ce que l'INRP offre des services de production de rapports? Ensuite, on revient vers Rachel qui a une autre question. Super. Pour la question de production de rapport, est-ce que
j'ai bien compris, c'est pour la création d'un rapport pour soumettre à l'INRP ou un rapport avec les données de l'INRP. Ouais. Ce n'est pas clair comme question. Ouais, ce que je comprends là, de la question, là, vous me corrigerez, la personne qui nous a posé la question, c'est plutôt la seconde option. Ouais, c'est ce qu'on reçoit à l'instant. C'est est-ce que finalement l'INRP peut produire des rapports pour des utilisateurs qui ne sont pas des industries, là, mais qui souhaiteraient avoir un rapport répondant à certains critères de recherche, par exemple? OK. Hey, Tristan, est-ce que tu veux répondre à la question? Je pense que c'est ta domaine. Oui, alors finalement, si vous avez la difficulté à trouver l'information à travers nos nombreux produits de données, vous pouvez toujours envoyer des questions à notre boîte courriel pour déterminer les données que vous voulez utiliser. Ils nous font tirer quelque chose pour vous, quelque chose de plus spécifique si vous avez réussi à trouver l'information. Ou si vous avez juste des questions par rapport à extraire l'information, on peut aussi répondre aux questions aussi. Alors, ça, dépendamment de la complexité aussi, on peut déterminer ce qui est possible. OK. Merci beaucoup, Monsieur Lecomte. Je ne sais pas si c'est possible pour vous d'écrire dans l'espace de discussion là, l'adresse courriel à laquelle on pourrait contacter le cas échéant. Et je vous invite là, à la prendre en note, les gens qui sont intéressés. Maintenant, de retour à Rachel Pelletier qui a une autre question. Oui, ben, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Là. Je doute que ma question soit peut-être trop large, mais est-ce que vous avez été capable d'extrapoler avant il y a 30 ans ou c'est trop imprécis de le faire ou si vous êtes en train de trouver une manière de avoir des données de avant le début de vos installations? C'est ça. Puis est-ce que, dans le fond, les installations ont mené aussi à une forme d'autorégulation, tu sais, des polluants qui sont rejetés, dans le sens où, tu sais, avant, il y a 30 ans, ben, justement, si on voulait aller chercher les données, ben, ça serait trop imprécis dans un cas où, ben, peut-être que les compagnies, c'est ça, vu qu'elles étaient moins surveillées, rejetaient plus de polluants, que je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ma question, mais voilà. Merci. Pour l'INRP, on a juste les données pour les 30 ans. C'est vraiment il y a 30 ans que l'inventaire a débuté. On a commencé à collecter les données. Ça se peut que les installations possèdent de l'information sur leur rejet avant ça, mais on ne l'a pas vraiment dans notre inventaire. C'est vraiment le début de l'inventaire il y a 30 ans. Alors, c'est ça. Merci, Sarah. Voyant pas d'autres questions, là, mais n'hésitez pas à lever votre main là, si vous avez des questions. Mais n'en voyant pas d'autres, je propose qu'on passe à travers quelques-unes là, qui ont été qui sont affichées là, à l'écran. Et donc, en tout temps, là, vous pouvez nous écrire, que ce soit directement dans l'espace de discussion ou dans la question-réponse ou levez votre main. J'y vais là, avec quelques questions qui sont devant nous. Rapidement, la première, je crois qu'on y a déjà répondu, là. Est-ce que les données qui sont dans l'inventaire sont auto-déclarées par les entreprises? Ben, je me permets de répondre. La réponse est oui. Vous me corrigerez là, si j'erre. Sinon, à quelle fréquence y a-t-il des inspections des instruments de mesure? Ça, la question a été également posée. Il n'y a pas d'inspection d'instruments de mesure fait par l'INRP, simplement des vérifications au niveau des données là, qui sont transmises. Ensuite, la question, y a-t-il des métaux, minéraux, éléments traités à la fonderie Orne qui ne se retrouvent pas dans les données de l'INRP? Si oui, pourquoi? Et ensuite, quand seront-ils mesurés? Cette question, je crois, est intéressante. Est-ce qu'il y aurait une réponse à fournir à ce sujet?
Oui, il y a, ça se peut qu'il y ait des substances, des métaux, des minéraux, des éléments qui ne sont pas sur l'inventaire de l'INRP. L'INRP se traite vraiment de la liste de substances en particulier. Ça se peut qu'il y ait des substances en plus, mais nous autres, dans l'inventaire, on ne va pas être au courant. Mais on a un processus pour ajouter des substances à la liste de substances de l'INRP. Si jamais il y a une substance qui entre dans le pays, qui commence à être une substance qui concerne les gens, on peut regarder ça. Ça se peut que ça peut être ajouté à l'INRP pour la déclaration des années qui viennent. D'accord, merci. Et à ce sujet, est-ce que, par exemple, les citoyens qui seraient préoccupés par une substance traitée dans un établissement devraient contacter l'INRP? Est-ce que de cette façon, ça pourrait se faire ou il faudrait plutôt passer par des modifications réglementaires, pour qu'ensuite ça soit applicable? Oui, on a un processus de modification pour proposer, évaluer des modifications à l'INRP. Tout le monde au pays peut proposer une modification. Alors, on a toute l'information sur notre site web. Je vais le mettre dans le lien dans le chat et ça va passer par un processus de consultation avec des intervenants, avec les groupes environnementaux, les groupes de Premières Nations, avec l'industrie. On regarde ça de toute manière et ça se peut que la substance serait là ajoutée à l'INRP si ça répond aux critères d'évaluation. Merci beaucoup, Sarah. C'est très éclairant. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont se pencher là-dessus dans les prochains temps. Poursuivons. Est-ce que les substances contaminantes font l'objet d'une spéciation selon leur composition chimique et leur niveau de toxicité? Si je me permets, je peux peut-être un peu vulgariser, là. Je crois que ce qu'il y avait derrière cette question, c'est, par exemple, si on prend du chrome comme substance, là, elle peut avoir différentes conformations chimiques. Certaines pouvant être plus toxiques que d'autres. La question étant, est-ce qu'on a cette distinction-là entre les différentes compositions chimiques des contaminants qui sont présents dans l'inventaire, ou bien si pour chaque élément, chaque métaux, minéraux, on a plutôt une classe globale commune? Oui, il y a deux réponses parce que pour le chrome, il y a une réponse qu'on a, oui, deux substances. On a chrome et ses composés et on a aussi le chrome hexavalent. Alors, le chrome hexavalent qui est bien plus toxique, il est déclaré dans les quantités en kilogrammes. Il y a un seuil de déclaration beaucoup plus basse que la chrome totale. Pour les autres substances comme le mercure et l'arsenic, c'est juste une substance globale pour chaque métaux. C'est arsenic et ses composés, mercure et ses composés. Par contre, ils sont à déclarer dans des quantités de kilogrammes au lieu de tonnes et ils ont des seuils de déclaration plus basses en fonction de leur toxicité. OK, merci, Sarah. Très clair. Il y aurait, puis donc, j'imagine que si, par exemple, des gens sont préoccupés d'une certaine conformation spécifique d'une substance, d'un élément, ça pourrait faire l'objet, par exemple, d'un processus d'évaluation de modification, par exemple. Donc, on comprend. Est-ce qu'il y aurait lieu d'ajouter le nombre de stations de mesure, stations d'échantillonnage autour d'établissements? Comme la Fonderie Orne, dans l'optique d'avoir des données un peu plus précises, là, si je peux dire. Et si oui, est-ce qu'il y a un nombre de stations qui devraient être ajoutées? Ça, je vous laisse réfléchir à ces questions. Oui, c'est plutôt l'INRP n'a pas de station de mesure, c'est plutôt la ville ou l'installation ou la province qui a les stations d'échantillonnage. Alors, c'est vraiment hors de notre programme. Mais il y a des moyens de voir des informations comme dans les cartes, on peut voir des informations de l'INRP en même temps que des cartes qui viennent d'ailleurs. Alors, il y a bien des programmes. Si on connaît un peu des programmes de GIS, tu peux faire le mélange de produits de données pour voir comme
Oui, les stations d'échantillonnage avec les données de l'INRP en même temps. OK, merci. Je vois le temps filer. Il reste à peu près 3 minutes. Ensuite, on va devoir changer, ben, mettre un terme là, à notre présentation déjà. Donc, je me permets déjà de vous remercier. Je vais poser les 2 questions. S'il y a des gens qui veulent quitter dès maintenant, on comprend. Des gens qui ont des engagements à 1 heure. Mais quand même, si vous pouvez en rafale nous fournir des réponses, est-ce qu'il y a une publication des données en continu qui pourrait être envisagée? Et comment ça pourrait être mis en place? Et ensuite, est-ce qu'on peut identifier la provenance des contaminants qui sont traités à des sites comme la Fonderie? Donc là-dessus, ben, d'abord, je me permets de vous remercier chaleureusement, les gens de l'INRP. On a très rarement l'occasion d'avoir des échanges avec des fonctionnaires pour nous présenter ce type d'outils. Personnellement, c'est une présentation qui m'a appris énormément. Donc, je tiens à vous remercier au nom de Mining Watch Canada. Et j'espère qu'on aura l'occasion de répéter ce type d'atelier dans le futur. Alors, c'était très apprécié. Je vous laisse sur ces 2 questions-là. Je remercie les gens qui sont dans la salle. Je remercie ma collègue Val aussi pour toute l'aide technique. Alors, à vous, Sarah. Oui, merci. Merci à vous. Et juste pour répondre vite, vite aux 2 questions, on n'a pas de données en continu dans l'INRP. On reçoit des données 1 fois par année. C'est un snapshot annuel, alors c'est ça qu'on peut publier. Et pour aussi la provenance de contaminants, on a l'information de où c'est émis. Dans l'installation, comme Émile l'a montré, vers quel plan d'eau, vers quelle cheminée, mais on ne sait pas dans l'installation comment c'est utilisé. Alors, je pense sur ça, OK. c'est les questions qu'on a reçues. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, j'arrête le partage de mon écran et je vous remercie encore une fois chaleureusement les gens de l'INRP, de l'Environnement Changement Climatique Canada. Donc, je remercie les gens dans la salle. Donc, au plaisir, la discussion va être disponible en ligne également. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.